Les gens ne prennent même pas compte, mais c'est une réalité. Or, l'homme que vous voyez est l'être le plus sacré de la planète Terre. L'homme est tellement sacré. Or, défier, tuer un homme, c'est défier Dieu. Parce que la Bible déclare que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, quand Dieu crée l'homme à son image, Dieu donne un pouvoir à l'homme, c'est ce qu'on appelle la destinée. Chacun d'entre nous a une destinée. Nous ne sommes pas inutiles sur cette terre, nous sommes tous inutiles sur cette terre. Ce qui t'arrive, souvent il y a des gens, vous voyez le signe qui prouve qu'il y a une main obscure dans notre vie, c'est la frustration. Tu sais que tu es bien, tu es belle, tu sais que tu es bien, mais tu n'arrives pas à avancer. C'est qu'il y a quelque part, quand il y a un blocage, où on sait qu'on a des qualités en nous, on n'arrive pas à avancer, c'est qu'il y a une main obscure, c'est de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, la définition, sort du mot lanceur de sort. Amen. Voilà, c'est la définition. Or, s'il y a un fléau, regardez le système d'Ebola aujourd'hui. Quand ça a déclenché au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le monde entier s'est mobilisé. Mais les gens disaient dans le temps, c'est une maladie incurable, qu'on ne pouvait rien contre ça. Ça effrayait tout le monde. Ouais, c'est mon écriture d'ailleurs, j'ai mis stop à l'Ebola. J'ai un matin, je regardais France 24, où il y avait à l'ONU, il y a le responsable de l'OMS, l'Organisation Mondiale, c'est ça, de la Santé, s'élève un matin pour dire, ils ne peuvent rien contre ce mal, ils ne peuvent rien, j'ai commencé à pleurer, et on a fait des 5 sujets de prière à Zaroko. Aujourd'hui, je suis réjoui parce que le Libéria, ça a été éradiqué. Ceux qui suivent beaucoup les informations, au Libéria, ils ont réglé le problème d'Ebola. Ce n'est que du passé. Or, dans le temps, ils disaient qu'ils ne pouvaient rien. En combien de temps? Ça n'est pas fait un an. Ça n'est pas fait une année. Mais comme nous sommes tous levés, et nous avons mis ici stop à l'Ebola, on a présenté les 5 sujets. Or, quand il y a un fléau, qu'on ne fait pas de 5 sujets, Dieu ne se lève pas, il se met en scène. Nous négligeons, ou bien il y a la conscience morte. L'Occident nous fait croire que c'est des choses. Les Africains sont superstitieux, c'est parce que nous sommes superstitieux. Normal, parce qu'on n'a pas eu de travail. C'est parce qu'on n'a pas eu de travail. Quand, souvent, même quand tu as les blancs, tu as l'impression qu'ils étaient plus intelligents qu'eux. Moi, j'ai vécu avec eux. Je travaille avec eux dans les ministères. Quand on me met sur le terrain, je sais que j'ai un bon rendement plus que le blanc. J'ai fait un bon rendement. Moi, je n'ai pas de complexe vis-à-vis d'un blanc. Je ne suis pas complexé. Pour le mettre là-bas, finir de prêcher. Moi, j'ai prêché. Je l'ai gagné 5 fois. Voilà. Parce que c'est nous, les Africains. C'est nous qui avons supporté Jésus dans sa souffrance. Pendant que les blancs avaient peur, nous avons porté la croix de Jésus. Moi, mon ancêtre, qu'on appelle Simon de Cyrène, Afrique du Nord, a supporté Jésus. Donc, moi, je crois que moi, en tant qu'Africain, je suis meilleur. J'ai pu apporter quelque chose à l'humanité. C'est ça. N'ayez pas ce complexe-là pour dire non, les blancs, non. Non, problème est spirituel. Non, problème est d'abord spirituel. Nous avons d'abord abandonné Dieu. Quand vous regardez dans nos villages, tout ça, c'est maintenant qu'on parle de Dieu. Quand les colons sont venus, or les blancs, dans leur histoire, quand ils ont fini de éradiquer la sorcellerie, ils ont connu un réveil des réveils, des grands réveils à l'Occident. Les Moudis, les Charles Finet, les grands hommes de Dieu ont connu un réveil à point que l'Europe était l'Angleterre, les salles de cinéma se déguisaient en lieu de culte et tout ça. Donc ils ont basé leur loi, si vous voulez, sur les principes de Dieu. C'est maintenant qu'ils sont en train de les dévier. C'est maintenant que l'Occident dévie avec cette histoire de homosexualité que je condamne avec la dernière énergie. Je condamne l'homosexualité parce que c'est lancer un défi à Dieu. Une femme et une femme, ils vont s'accoupler comment? Un homme et un homme couchent ensemble, vont s'accoupler comment? C'est ça. Lancer un défi à Dieu pour dire à Dieu ce que tu as fait. D'autres même vont quand même font des opérations chirurgicales. Ça dit qu'un monsieur change, il ne veut plus, ça ne s'est pas dans la peau d'un homme. Vous comprenez? Oui, si. Les gens sont étonnés des catastrophes dans le monde. Mais c'est la malédiction. Il y a un pays qu'on appelle le Népal, je crois, un truc comme ça, qui vient d'avoir une catastrophe terrible dans le monde. Le Népal, quand vous constatez, eux, c'est des bouddhistes. Ils sont supprimés pour quoi? Vous dites que Dieu n'existe pas. En longueur de journée, Dieu n'existe pas. Il ne va pas se fâcher. Il a poussé un petit doigt comme ça, et tout le monde en train de mourir, vous criez. Ah! On ne peut pas blasphémer jusqu'à ce point. Et c'est des bouddhistes, tous. C'est des bouddhistes. Donc notre problème, il est spirituel. Il est spirituel. Nous sommes intelligents. Tu vas voir quelqu'un d'intelligent aux États-Unis, on l'envoie de force. Je vous dis de force. On le torture jusqu'à on l'envoie de force en Afrique. Et pour le mot gâche au village.
On lui donne un diplôme, c'est un buvet de coup. Il boit coup de coup, il se belettise. On a besoin de belet. Il va boire belet. Tu vas le voir en train de parler gros français, monsieur. Il vient sans travail. Il se promet de belet, de belet, à belet, de belet, à belet. J'ai vu ici, dans, ici, la dernière fois, l'ancien médecin du fou, Babou m'a rendu visite. Il ne parlait pas, c'est maintenant qu'il commence à parler. C'est un médecin, un grand médecin. Il a vu le monsieur aujourd'hui. Il est dans la rue, il pisse. Il est fait de la sorcellerie. Notre problème, c'est ça. Or, quand on a ce problème-là, il faudrait que les Africains comprennent que leur problème-là, ce n'est pas politique. Tu vois les gens ici de suivre les Blancs, les Français. Les Français font ça, les Blancs font ça. On n'a qu'à attaquer la France. Vous allez bouffer, ça ne résout pas le problème. Notre seul problème, c'est nous-mêmes les Africains. Comment comprenez-vous que vous, ton propre enfant, j'envoie trois bandits pour boire, parce que t'as envie de boire sang. Vous comprenez? Ta fille passe concours, toi tu bloques ça. Et tu as dit, c'est moi qui ai fait, j'ai bloqué concours. Ça, c'est blanc qui avait ça. C'est pas blanc. Nous-mêmes sommes à la base de nos problèmes. Tu vois que moi, le problème de socialisme, je m'amuse pas ça. Parce que quand il me guette, comme je les dévoile, il me guette. Je prends mon temps pour régler ça. Il me guette. Le problème, c'est la sorcellerie. Le problème, notre problème, là, c'est de la sorcellerie. C'est ce qui nous met en retard. Vous allez beau faire. S'il y a un problème de sorcellerie dans votre vie, oh, les blancs, même pour qu'on parle de ça, ils disent non, laissons le côté. Or, oh, c'est le spirituel qui fait le visible. Sans le spirituel, le monde visible n'a pas son sens. Ça, c'est clair. Le monde. J'ai dit aux Australiens, c'est parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne pouvaient plus croire en Dieu. Dieu existe. Dieu existe. Donnons-lui la première place. Permettons-nous de remettre nos soeurs à Dieu. Pas parce qu'on n'a pas d'intelligence. On est intelligents, les Africains. Nous sommes très intelligents. Tout part de l'Afrique. Nous avons des ingénieurs. Moi, j'ai vu des grands ingénieurs qu'on appelle en pétrole. J'ai vu des gens qui sont très soudieux. Qu'on a rencontré tout ça. Quel effet la sorcellerie a détruit. Oui, il a détruit. Moi, c'est mon problème. Or, quand vous avez ce problème de sorcellerie, là, frère, si tu n'as pas réglé ça, toi-même, on te mange. Hein? Et puis, on mange tes enfants. Et puis, tes petits-enfants sont mangés. Vous avez vu, il a posé la question. C'est doux, ils disent oui, c'est doux. Qu'est-ce que doux, on laisse. Par exemple, tu lèves matin, tu cherches Gabadrome, si tu vas manger Gaba et poisson ton. C'est comme ça qu'il se lève. Quand on dit qu'il y a pâté des dômes, c'est là qu'on vous entend ça. On fait pâté à l'homme. Dit qu'on on sèche la peau de l'homme, hein, pour faire pain ça. Et les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Oh, vous même voyez les sorciers partout. Ils sont partout. Oh, je vous ai dit tout à l'heure, quand les blancs ont compris que le problème d'Ebola, nous savons comment prier, ils ont réglé le problème. Ils ont déplacé. Eux qui disaient qu'il n'y avait pas de médicaments, ils n'ont pas trouvé. Moi, je dis, restez tranquille, les blancs. Quand ça monte, ça a tué un, deux. Quand ça a commencé à pénétrer les États-Unis, l'Europe, ils ont dit, si on ne trouve pas la solution à ça, là, ils ont trouvé. Amen. Amen. C'est parce qu'ils ont tué les sorciers chez eux. Non, ça ne leur dit plus rien. Ça ne leur dit plus rien. Amen. Amen. Nous avons un espoir. Notre espoir, c'est Jésus. Pour nous, notre espoir, c'est Christ. Nous devons espérer toujours. Il faut toujours croire. Il faut toujours avoir foi en Dieu. Il faut toujours croire. Moi, j'ai vu déjà des personnes atteintes d'une maladie dite incurable. J'ai vu une dame qui était avec elle, l'insuffisance rénale. J'ai vu ça. Insuffisant rénal. Problème de cœur. Elle est vu qu'en insuffisant rénal, elle a maigri. Sorcier a parlé. Un mois après, ça a disparu. Ça a disparu. Or, la science dit que ça ne se guérit pas. Il faut enlever le rein, il faut greffer d'autres reins. Il faut greffer d'autres reins. C'est ça qui ne vous fiez pas à la science. Parce que la sorcellerie ne peut pas être un objet de science. Non. La sorcellerie, le sujet de sorcellerie ne peut pas être objet de science. Or, la science nous sert d'abord de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature. C'est comme ça la science. La science veut qu'on demande. Or, la sorcellerie, on va demander. Oui, c'est un truc spirituel.
À moins que toi et un sorcier vous mettez dans la même chambre et puis lui démontre que ça existe. C'est ce qu'il dit aux sorciers, aux scientifiques. Si vous ne croyez pas à la sorcellerie, moi je vous envoie un sorcier et vous allez rester tous deux dans la même chambre. Posez-lui la question. Comment la sorcellerie, le sorcier va vous démontrer? Amen. Amen. On a vu une histoire ici en Côte d'Ivoire où on a convoqué un sorcier à la justice. On dit comment tu as fait pour manger l'homme. Le sorcier dit vraiment une papaye. Il a mis une papaye là, sur le truc de juge. Et puis il a fixé papaye là pendant 2 minutes. Il dit fondre, couper la papaye. En coupe papaye, tout est dedans à manger. Le juge dit je te libère. Non, tu es libéré. Là, c'est vraiment un gars comme ça là. Je ne sais pas à quelle sorte il va manger. Il pose la question, comment vous mangez les gens? Non, ça va faire ça. Mais dit papa, vous allez voir. Tout est déjà mangé. Là-dedans. Mmh. C'est un sorcier, vous êtes en train de m'amuser. Mmh. Moi, je vous comprends. C'est vrai que les gens, par moi, sont. Ça les stresse, je vous comprends. Amen. Amen. Mais je veux que, ensemble, nous allons très loin. Ayons plus foi en Dieu. Mmh. Ayons plus foi en Dieu. Confions-nous-toi en Dieu. Et Dieu fera le reste. Amen. Amen. Voilà, donc j'ai pris ce matin, je vais prendre le temps de régler certaines choses. Sur, comme on a une veillée ce soir, on a une grande veillée ce soir au niveau des drapeaux. La vieille, elle est là? Elle est là. Ok, faites la rentrée. Lui, là, c'est un sorcier. Quand quelqu'un défend sa sorcellerie, il est immédiatement, je le mets directement comme dans la catégorie des sorciers. Non, moi je ne crois pas à ça. Mais toi, tais-toi. Si tu ne crois pas à ça, ferme ta bouche. Ça veut dire que tu ne connais pas. On défend ce qu'on connaît. Tu ne connais pas. Tu te dis, donc tu te tais. Venez ici. La vieille, ça va? Allez, ça va, maman. Ok. La vieille, pas bien du là. Viens ici. Tu as enlevé, t'envoyer ma mythe là. Okay. Bon, on va finir le problème. Non, on a une manière de régler ça. Il y a un sens aussi. La manière de régler. Vas-y. Quand tu t'envoies la nuit, tu ne sais pas marcher dans la journée. Tu reconnais que tu es sorcier. Tu reconnais. Qu'est-ce que tu as fait ta sorcellerie? Le t'as fait quoi ça? A tué. C'est ça? Tu as tué ta pomme, maman. C'est ça? Oui, tu m'as dit. Dis, t'as fait quoi? Maman. Tu as tué qui et qui? T'as bien précisé, maman. Tu as tué qui et qui? Elle fait comment de tuer? Et vous? Par nous,